personne ne l'a vu venir. Mais Staline, en quelques semaines, s'est emparé du pouvoir. Il ne le quittera plus. Il choisit de s'installer ici, dans la citadelle du Kremlin, l'ancien palais des tsars. C'est d'ici qu'il va diriger l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, le plus grand pays de la planète. Avec quelques fidèles qui vont le suivre aveuglément pendant près de 30 ans. Il veut aller plus loin, beaucoup plus loin que Lénine. Il veut changer le cours de l'histoire et sa détermination est totale. Nous, les bolcheviks, nous sommes d'une race spéciale. L'élément personnel ne vaut pas un clou. N'en doutez pas, camarades. Je suis prêt à consacrer à la classe ouvrière toute ma force et chaque goutte de mon sang. Réaliser le communisme. Une société idéale, heureuse et saine. Sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun. Où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous.